Namasté la famille, j'espère que vous allez bien, y compris les personnes qui sont confinées, courage à vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour un haul nose et action. Que je voulais vous montrer la très jolie décoration de porte que j'ai acheté sur Shein. Donc c'est des autocollants, c'était super facile à coller. Donc je voulais vous les montrer et en fait c'est super super joli quand on descend les escaliers de voir cette petite déco qui a coûté 3 fois rien. Donc je m'installe. Et on y go. Et on est parti pour un haul nose et action. Mais avant, je voulais tout simplement remercier les nouvelles namastés qui nous ont rejoints sur la chaîne. Bien évidemment, si vous n'aimez que les arrivages, n'hésitez pas à attendre la notification suivante. Mais vous auriez tort car il y a pas mal de surprises pour vous dans ce haul que vous attendiez. Malheureusement, je l'ai perdu sur le logiciel et je dois le refilmer, ce que je suis en train de faire. Je tenais également à remercier Marion Makeup pour les achats qu'elle m'a envoyés. Voilà, j'ai jamais trouvé ces petites décorations et du coup elle me les a envoyées. Donc vous verrez que tout à l'heure je vais acheter des petites choses pour la remercier. Merci à toi Marion, c'est super joli. En fait, voilà, j'ai fait cette décoration un petit peu provisoire. Tout simplement parce qu'elle allait très très bien avec la glace que j'ai eue pour mon mariage. Donc voilà, ça a pris un petit peu dans le salon, c'est un petit peu brillant, mais pas trop, voilà. Donc je te remercie infiniment Marion. On continue avec la déco. En promo, ils avaient ce joli plateau. Je pense que vous les avez déjà vus toutes un peu partout. Donc voilà, j'essaierai de faire une jolie décoration et de vous montrer ce que ça donne également. J'ai pris aussi, comme ceci, des petites serviettes éponges pour faire, voilà, pour s'essuyer les mains après la vaisselle. Voilà, j'en ai pris 3. Et j'ai craqué encore. Vous pouvez m'appeler Miss Boîte, hein, il y en a partout. Donc j'ai pris aussi cette très jolie boîte avec des arbres de vie. Donc une pour ma soeur pour son anniversaire. Et puis j'en ai retrouvé une ensuite pour moi. Et bien évidemment à l'intérieur, les petits spoils. Et oui, il y a vos bijoux et blettes que vous attendez depuis longtemps. J'ai trouvé ces très jolis dessous de verre. Alors je me suis dit que ce serait soit pour offrir, soit pour faire de la déco. Je suis également passée au rayon des soins et du make-up, hein. Je crois qu'on est toutes pareilles. Donc j'ai pris comme ceci un scrub pour le corps à base de sel. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore testé car vous allez voir que j'en ai acheté un aussi à Nose. J'espère que vous trouvez le confinement pas trop dur quand même pour celles qui le sont. J'ai pris aussi des petites pinces comme ceci. Alors moi j'en use et j'en abuse et je les casse aussi et je les perds, hein monsieur. Monsieur Namasté, ah ça, les perds. Hein. Non, mais c'est toi qui me les caches en fait. Ah, peut-être, oui. Ah, ouais, c'est ça, il me les cache. Il me les cache et il dit rien. J'ai fait mon mouton. Bah oui, j'ai trouvé la petite brume, donc j'ai fait mon petit mouton. Elle sent super bon. Donc, c'est celle à l'ananas et au tiare. Je vous la conseille si vous la trouvez dans vos noses encore. Et j'ai pris pour Marion, pour la remercier, un petit masque comme ceci facial. Grappe de fruits en 75 ml. Donc c'est pas une nouveauté. J'ai pris également des petits lip balms comme ceci exfoliant. Alors celui-ci c'est à la pêche. J'ai pris le noix de coco, également le petit kiwi, tout simplement parce que j'ai acheté celui à la fraise. C'est une tuerie. Alors au début surtout ne vous dites pas oh ça n'exfolie rien du tout. Si si, il faut enlever les premières couches qui sont hydratantes et ensuite vous trouvez les petits morceaux de grains de sucre et vraiment ils font leur job et je pense qu'ils valent ceux de Sephora. On est parti pour nos les filles et là j'ai craqué mon slip. Voilà. Même si je porte pas de string, j'ai craqué au moins mon slip. Monsieur Namasté, passe-moi le petit coffret que je t'ai offert. Donc je vais prendre un petit coffret de bière comme ceci de la marque Lagunitas. Voilà, pour lui faire plaisir. Car je lui avais pas fêté sa Saint-Valentin. Et donc voilà, c'est un petit cadeau comme ça pour se faire plaisir. Merci. Mais de rien, je t'en prie. Bon, on va continuer pour le petit fiston. J'ai pris comme ceci des pâtes au poulet. Je vous écrirai le prix sur le tic. Enfin, je vous écrirai le prix à l'écran. Voilà, il est sur le ticket. Je suis désolée. Des bugs. Mon fils adore ces pâtes-là. Voilà. Et il adore aussi les Springles. Alors, comment vous dire que là, j'ai craqué aussi pour lui. Donc, à 1,15€, j'ai pris les originales. Également toujours à 1,15€ au vinaigre et au sel.
Et il va se jeter dessus. Et j'ai repris un original. Voilà. Ça va... Oh, désolée. Vous avez ça devant. Ça va pas faire long feu. Hein. Alors, j'ai pris également des champignons comme ceci pour Monsieur Namasté. C'était, je crois, 89 centimes. Les deux petites boîtes, il adore ça. Bravo. Gourmand. Mon fils également s'est pris des petits gâteaux comme ceci à 75 centimes. Alors apparemment c'est du chocolat, du biscuit et à l'intérieur vous avez de la gelée de framboise. Donc à tester, je vous mettrai à l'écran si c'est bon. Et également il s'est pris des petits gâteaux comme ceci avec un espèce de Nutella praliné à l'intérieur à 89 centimes. Mais oui, je sais, vous attendez les bijoux, ça vient. Allez, donc à 1,99€, j'ai pris un spray désinfectant en 750 ml. Vous pouvez l'utiliser pour toutes les surfaces, même les téléphones, les tablettes, les objets, les portes, les poignées, les meubles, tout. Voilà, donc je te le passe. Mon mari a pris pour faire un petit cadeau ceci. C'est une petite pochette pour mettre une bouteille de vin, donc à 1,20€, et sur laquelle il est marqué ce petit message. Donc l'apéro est l'avenir du parent épuisé, la box. Voilà, il a trouvé ça mignon. Également, il s'est pris un petit outil pour le jardin à 1,99€. Oui, parce qu'il ne fait pas que cuisiner, il fait aussi du jardin, les filles, hein. Et il s'est pris également un petit plat Pyrex comme ceci à 3,99€. Ça reste du Pyrex, hein, donc c'est du 1,5 litre. C'est pas cher quand même. Hein. À Noz, on a de la chance au niveau de ces articles. Et comme je vous disais qu'il aimait bien cuisiner, à 99 centimes, il s'est pris une petite cuillère en bois, voilà, pour faire, pour touiller comme ça. Et également, alors là c'est pour ranger dans le réfrigérateur, ils avaient des bacs comme ça, 1,99€, je sais qu'on en trouve à Action. Bon, ma Claudie, ferme les yeux parce que tu vas pas aimer, donc appelle-moi Antoine. Et oui, j'ai craqué pour cette belle chemise à 11,99€, je l'ai trouvée trop jolie, j'ai l'intention de la porter en forme un peu loose. Je vous mets une petite incrustation ici, portée de la chemise, vous allez voir, elle est super jolie. Également, j'ai craqué pour ce que tu n'aimes pas, ma Claudie. Tu as dit, ah, Berk, les chaussures avec l'effet transparent. Eh bien, moi, j'adore, je les ai pris en grise à 4,50€. Je vous les montrerai peut-être portées si j'ai le temps. Et j'ai craqué également pour ces très jolies chaussures en noir. Alors, celles-là, elles sont top, les filles. On est confortable à l'intérieur. Je me rappelle plus combien je les ai payées. J'irai regarder sur mon arrivage. Mais franchement, elles sont hyper confortables. Ah, bah je vous ai dit, hein, c'est du big haul. Hein, forcément, je fais beaucoup les arrivages. Je suis tentée moi aussi. Et puis, bien évidemment, j'en profite pour faire mes petits achats. J'ai craqué pour ce très joli sac de la marque Kessas. Je vous mettrai sur le côté une petite incrustation, voilà, du sac porté. Il était très joli. Et je vous indiquerai également le prix puisque je m'en souviens plus. Pour Marion Makeup et pour la remercier de m'avoir envoyé ce qu'elle m'a envoyé, je lui ai pris des baskets de la marque Bella Komodo. Donc pour celles qui ont vu les arrivages Noz, vous les avez vues, elles existaient en bleu et également en blanche. Donc je lui ai pris une petite paire de 37, elles étaient à 5,99€. J'ai pris, je vous avais dit que j'allais pas résister, hein. J'ai pris ce scrub, voilà, pour le corps à 1,99€. Alors je l'ai testé, donc je peux vous en parler. Il est donc au sucre, il est également à l'huile d'olive, à l'huile de coco et au monoï et au tiaré. Franchement, ça doit être la même chose, monoï et tiaré. Il est super. Alors après, il laisse un film gras sur la peau. Certaines vont aimer, certaines ne vont pas aimer. Et surtout, évitez de glisser dans la baignoire. Les filles, j'ai également pris, alors bien évidemment, hein, tous ces achats sont pas faits sur un seul mois. J'ai également pris ce parfum à 2,99€, c'est le Mademoiselle. C'est vraiment un parfum, il sent trop bon. Il est très peu fleuri, très sucré. Franchement, ceux qui ont les mêmes goûts que moi, sautez dessus parce que là, c'est un parfum. Également, j'ai pris une petite eau de toilette comme ça pour mettre dans mon sac à main à 99 centimes. À base d'abricots, ils sont très bons, voilà. Après, ça n'a pas une grande tenue, alors que celui-ci, quand même, il a une tenue de 5 heures, en tout cas sur ma peau. Et on passe aux bijoux, en effet. Donc, de la marque Ozone, j'ai pris un collier comme ça. Donc, c'est un sautoir, il est juste magnifique. Je l'ai pris pour vous et pour moi. Valeur 18,99€.
Il était quand même à 3,99€. Il était un petit peu cher, mais bon, voilà. Je voulais vous faire plaisir dans le cas où vous ne trouveriez pas votre bonheur tout de suite dans les bagues Ebled. Donc, n'hésitez pas à mettre hashtag sautoir, voilà, si vous êtes abonné et que vous habitez la France. Je vous mets des indications à l'écran. Et également, toujours de la marque Azone, j'ai pris également ces très jolies petites boucles d'oreilles. Je les ai trouvées trop belles, valeur 4,95€ et à 99 centimes. C'est pas possible! Ah les mecs, c'est quoi là? Vous êtes tous mis contre moi ou quoi? Tu ouvres un magasin ou quoi? Ouais, presque. Allez, choisissez bien vos modèles. Alors, ces bijoux Ebled, ce sont donc des bijoux d'une marque suédoise qui valent entre 20 et 60 euros. C'est des bijoux en titane qui ne bougeront pas du tout de votre vie. Les miens, ceux que j'ai achetés au début de ma chaîne, sont toujours impeccables. Ils n'ont pas bougé du tout. Donc, vous allez les voir défiler sur le côté en photo avec un numéro bien précis. Vous pouvez participer à tous les hashtags bijoux que vous voulez. Surtout, soyez très clair dans votre demande. Hein. Et E1, E2, E3, voilà, E pour Ebled. Hein. Et je ferai le tirage et je le mettrai dans le post communauté 15 jours après la vidéo. En tout cas, si vous aimez nos et les arrivages et les pépites qu'on peut y trouver, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne et mon Instagram pour avoir les bons plans. Je vous dis tchuss et à bientôt pour des arrivages nos. Bisous, Isa.